Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un test de mode. Les vampires de Jade, voilà, dans KT. Pourquoi on les teste maintenant? Pourquoi ça sort de nulle part? Ouais, c'est vrai que ça sort de nulle part en fait. J'ai découvert un mode fou parce qu'il rajoute toute la carte en... Enfin, il débloque toute la zone Ombré, Inja, Kuresh, tout ça... Et ça te permet de jouer dedans, c'est modé pour que tu puisses te déplacer. C'est comme si Native Assembly avait débloqué ces zones-là, quoi, finalement. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais jouer pas loin pour pouvoir aller à l'intérieur, simplement. Je me suis dit, bah pourquoi pas en même temps tester une nouvelle faction modée. Et en plus de ça, alors là, on est sur du fun total parce que les monstres, ils sont horribles. C'est la mythologie, je sais pas, je pourrais dire Asie. Je sais pas si c'est vraiment côté chinois. Est-ce qu'il y a un mélange aussi avec le Japon, avec la Corée, avec le Vietnam, avec je sais pas, mais les monstres sont horribles. Ce que je peux vous dire en tant que nul dans tout ça, c'est qu'on peut retrouver des monstres de Sekiro. Voilà. Le jeu Sekiro, hein, c'est cette mythologie horreur vraiment. Donc on va essayer tout ça, voilà, sur cette carte qui va se débloquer, on va kiffer. Et c'est en attendant, évidemment, le DLC qui arrive, d'ailleurs si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à passer par mon lien référal avec moins 20% avec Mika Haber, merci beaucoup. Alors, je sais même pas comment elle s'appelle, c'est Servante je crois, hein, du Lotus Noir, elle a pas de nom, et en tout cas c'est la Servante. Elle a une armée de départ avec un Wild Ghost, Return, Gorhags et Jiangxi. Voilà, c'est ok. Effet de la faction, moins 50 en relations diplomatiques avec Katay. Bon bah on s'entend pas bien. Puissance d'armes, plus 9% pour les Jiangxi units, ok. J'ai un bâtiment unique pour la capitale de la faction. Et j'ai accès à l'harmonie en mécanique avec les unités. Effet du seigneur, moins 15% de reconstitution pour les ennemis, plus 6 de corruption vampirique et comme ennemi, moins 4. Ça c'est fort, ça c'est balèze. Voilà, on va démarrer ici, sachant que tout ça c'est débloqué. Voilà, vous le voyez ici sur la carte, on est sur une campagne de l'Immortal Empire Expanded, rajouté avec le mode présenté. Il sera aussi normalement dans la description là, de ce côté là. Et on va essayer de se développer un peu par là, puis après aller là-dedans. Simplement. En attendant le DLC, les embargos, tout ça. Et le domaine, bah on verra bien. Donc c'est une faction ajoutée par Mixu. Allons kiffer. J'ai activé... Le Drinking, il est activé. Peut-être. Le lotus est au moins triple épaisseur, j'espère. J'espère aussi. Après, je sais pas, ça a l'air quand même... Voilà. Donc dites-vous que tout ça là-bas, c'est jouable. Et pour l'instant, on va aller par ici. Bon, bah là, au moins 5% de chance de restaurer les points de vie des unités détruites après la bataille. Allez. Hein. Ouh, le coup d'entretien. Donc, j'ai une Chandler. Et la Maiden avec, je vous dis, franchement, les skins d'unité, on comprend rien. Y a rien du tout. Alors, ça a l'air d'être ma capitale, Nongshang. Donc, on va y aller. Au niveau relations diplomatiques, hein. Je sais pas si le Dread King est là, hein, je vous le dis. Hein. Mais ça se trouve, il y a une autre faction modée qui est dedans. Et si ça plante, ben, écoutez, on recommencera. Hein. Il y a déjà un niveau, mort sans repos, allez. Alors, est-ce qu'elle a sa propre magie? Je ne sais pas. Oh. On lira les sorts
Sort le niveau de soins, résistance physique, régène, ressuscite, soigne, ok. C'est une unité visiblement. Et ça donne une bonne résistance physique, ouais, c'est ok. Maîtrise des vents élémentaires. Il y a de la résistance un peu partout, ok, ouais. Et sa pote, du coup, elle a pareil. Elle a un heal avec une maîtrise élémentaire. Ah. Elle, elle a en plus le maître des morts. Ah ouais, victoire de justesse. Qu'est-ce que c'est? Je sens que... Moi, je sens que je vais me marrer sur ce mode. Parce que quand vous voyez les skins des unités, je garde la surprise. Vous allez voir. Hein. Vraiment, c'est sombre. Hein. Ils font, moi, ils me font beaucoup plus peur que les vampires côté empire. Bien sûr, hein, t'as peur d'un Verguf, d'un Verguez, tout ça. Mais alors, eux, eux, c'est crise cardiaque avant qu'ils me touchent. Oh, je vois la tête des yeux et des trucs. Alors... Je sais même pas si je dois les envoyer corps à corps. Mais quand je vois 48-66 déjà pour un départ avec 415 perce armure, c'est qu'à mon avis, elle est pas mal. Hein. Ah, un peu plus bas, elle. Voilà. Ah, vous avez vu. Ah non, non, elles font peur. Hein. Oh là là. The Grudge. Alors, qu'est-ce qu'on a comme unité? On a une unité... Là... Niveau de soins par seconde. 1% vigueur. Mais par contre, ennemi, dégâts par seconde. Une utilisation. Ok, c'est un sort. Direct. Ok. Oh, c'est fort. Ok. C'est autour de lui. Ouais. Vulnérabilité au feu. Il y a le yin et là, avec une résistance ultime. Au secours. Résistance physique, tout ça. Ok. Il ressemble à quoi? Ok. Ok, ok. Ouais, des zombies avec, je sais pas trop, une tenue... Bien, je ne sais pas. Alors là. Ah ouais, ils sont horribles. C'est des ghouls. Des ghouls bizarres. Passe 1. Activer si le commandement est hésitant ou inférieur. Pendant 8 secondes, ils se laissent défoncer et après ils ont un commandement de plus 30. Exorciser. Dégâts par seconde. Activer si le commandement est brisé. Ah bah alors là, dis donc, tu... Anéanti. Ouais, en gros, elle va mourir si jamais... Ok. Mais il y a quand même le yin, encore. Et là, il y a un sort. Ça, c'est pour l'ennemi. Rechargement de puissance, moins 20%. Augmente temps de repos, plus 3. Affecte les ennemis à portée. Ok. Des squelettes lanciers, bon bah en soi sûrement classique. Hein. Avec la défense mêlée, tout ça, ok. Remplaçable, cool. Rage, ah ouais, la rage, ok. Ouais. Et on est dans Sekiro. Ils invoquent quelque chose. Je sais pas encore ce que c'est exactement. Et niveau de soins, les alliés autour, portée 25 mètres. Ok, c'est un support. Là, c'est la version anti-infanterie de l'autre. Ok. Non, mais tout est. Ouais, tout est horrible. Ils ont un effet spécial. En classique. Classique, remplaçable, ça peut se défendre, ok.
Version fantôme. Dégâts par seconde. Affecte les ennemis à portée. Activé si en mêlée. Et c'est inactivable. Non. Portée de l'effet. Durée 6 secondes. Temps de repos 30 secondes. D'accord. Mais par contre, ce banni exorcisme, on va voir ce que ça donne, mais... Ça a l'air de piquer. Hein. Et après, des chauves-souris. Ok. Bon, bah, en gros, c'est du full corps à corps. Hein. J'ai un truc un peu rapide en vitesse. Elles ont l'air rapides. Traquer, se cacher. Ouais. 47 de vitesse. Ok. Et chauve-souris. Ok. Bon, bah, on va mettre. Y a rien en bouclier? Non. On avait dit ça, c'était un support. Bon, rien n'est rangé chez eux, hein. Vraiment. À eux aussi, c'est un soutien. Il y a tellement d'unités différentes. On a des sorts. Pour bien soigner. Et après vous allez voir, il y a des gros monstres, on comprend rien, mais on sait que normalement ils font mal. Hein. Excellent ça, hein. Voilà, je pense qu'après il y a un tas d'effets qui vont se mettre en place. Mais elle court super vite là, non? C'est pas que j'oublie, lui par exemple, il peut invoquer un truc, hein. Oh, c'est long par contre, hein. Ok. C'est très spécial, hein.
Attendez, il y avait un truc qui invoquait normalement, non? Est-ce que ça, c'est genre une unité classique? Ouais, je crois que les fantômes, c'est le zombie nul. Je crois que ça c'est le truc nul. Quoi, l'armée que tu joues, c'est les vampires de Jade. Tu me diras les chanteurs aussi là, ça a l'air. Ils sont très bizarres. Hein. Ah, ils sont un peu plus gros, eux. Hein. Viens. Je perds de la vie, là. Mais ils ont pas encore abandonné ces trucs à la con, là. Eux, ils sont trop lents. Oh. C'est quoi ça? Oui. Oh, ils augmentent la vitesse. Pourquoi ils ont plus de vitesse maintenant? Ah, la ligne est encore loin. Oh, ils chargent chelou, hein. Lui Hervénin. Et ouais, c'est le début, donc pour l'instant, je pourrais pas te dire si c'est vraiment bien ou la bug. En tout cas, c'est spécial. C'est spécial. Je vois que j'ai pas fait. Ouais, ça, cette unité-là, elle a fait son taf. Le reste, c'était du. Non, en soi, j'étais sur du guerrier de Jade. Hein. C'était pas un truc. Il a fait 136 kills. Un paysan. Il a fait plus de kills que le dragon céleste, là. On va voir ce que ça donne. Alors, on peut les manger, comme ça on va gagner de l'attaque pour les cultistes.
chaud pour la régène. Hein. Victoire courte obtenue, yes. Ah, victoire longue obtenue, quoi? Bizarre. Alors... ça, on s'en fout de toute façon. Ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre tout ça. Bon, les bâtiments, soit on les reclassique, hein. Ouais, on est sur des trucs qu'on connaît, hein. On a dit, ça, c'est du... ok. Ouais. Attendez que je fasse pas de bêtises dans ce que je recrute. Ça et ça à côté, ça a quand même l'effet. Et en plus, ça a un soin pour les alliés autour quand même. Hein. Chanteuse. Watch. Qu'est-ce qu'ils ont spécifique? Rien de spécial. Après, on peut en prendre un peu quand même. Ça va faire... ok, lui, c'est... non, lui, c'est vraiment le zombie nul. Mais alors, le fantôme à côté... il est un peu au-dessus parce qu'il a quand même le cœur 7... ouais, le... comment, le toucher maudit, là. Avec un... le truc, là, qui fait des dégâts sur le temps, mais j'ai pas encore... si le commandement est brisé. Activé si en mêlée. Si je suis en mêlée avec quelque chose qui a un commandement brisé, il y a des des attaques cardiaques. Salut Jaquel. On verra bien, on verra bien. Est-ce que là je peux ressusciter des trucs? Ravnus God. Allez, hein. Ah ouais, on est, c'est éthéré, il y a pareil, je suppose qu'il y a l'attaque. Mais c'est au-dessus parce qu'il y a frénésie. Clairement plus cher, il n'y a pas beaucoup de vie. Et derrière, il y a Eternal Hunger, hein, dégâts par seconde. Hors de la mêlée, ah, tiens. Hors de la mêlée. Et les éternels affamés, là. Et en plus, il y a ça, mais il y a la frénésie, il y a l'Eternal Hunger 2, ou si je suis au corps à corps au final. Cette fois, il y a du soin. Et il y a les attaques cardiaques. J'adore. Moi, je valide. Alors là... bah, ça va et toi, Jaquel? Taux de reconstitution et les morts s'élèvent à nouveau. Allez, hop. Ils ont l'air poussés quand même, hein, petit vampire, il y a un petit côté cool. Hein. C'est pas l'invocation des vampires. Non, elle, il faut, faudrait que je la mette là, là. Et après, il y a, ouais, il y a la capacité. Et après, on va voir ce qu'il faut aller chercher, là. Ah, là, il y a l'invocation.
Et bientôt. Tu pars quand en vac? Moi je te dirais que c'est bientôt terminé. Proprement parler, je pars pas en vacances. Il y a pas une la vraie pause que j'ai faite, que je devais faire justement pour des vacances, a été prise par autre chose, hein, la vie quoi, hein. La vie et ses problèmes. Donc là, il n'y a pas de partir en vacances. Là, il y a l'idée, c'est que je vais pouvoir streamer tranquillement la semaine prochaine et je crois que c'est la dernière. Et après, le boulot reprend et le stream. De manière habituelle. Never. Bien. Les fêtes valeureuses. Ah ouais. Non, je veux pas y croire. C'est mes seuls ennemis. Non, j'ai eux aussi en ennemis. Hein. Ça va pas être si simple que ça. Hein. I refuse. No. Cease. Sorcière ancestrale. Je débloque ça, c'est ok, ça, ouais. Au moins deux provinces pour le claquer, je pense. Pas mal tout ça. On va aller sur des trucs assez classiques, hein, je pense. Hein. Honnêtement, de toute façon, ça débloque et on va essayer de trouver les unités qui... marche le mieux. Je pense que je vais mettre les deux Ravenous Ghost. J'ai envie de faire la bataille, hein, forcément. France vs Australie, champion du monde en titre. L'équipe de France arrache la victoire de quelques mois. Oh, GG. C'est beau. Alors. Je pensais mettre les fantômes dedans pour après les accompagner. Ah, c'est marrant, j'en ai plus que prévu. Les 4. De toute façon, c'est des zombies.
Ah ça, en fait, c'est les guerriers Jade, mais version squelette, quoi. Attention à eux quand même, ils peuvent faire mal, mais s'ils sont pas soutenus par un heal, c'est sûr qu'ils kiffent. Hein. Eux ils perdent des points de vie eux. Renner. Cleanliness is blasphemy. Ready as always. Et mettre en mode courir. Voyons voir ce que ça donne toute cette invasion. Allez. Allez. Pourquoi elle rentre pas? If necessary. Worshipper of disease. Ils vont me saouler les fantômes rouges là. Est-ce qu'ils vont juste crever bêtement là? Ils savent pas monter les murs? Ah si, remarque, ils l'ont fait là. Je sais pas, il est bugué lui. Comme elle. Comme lui. Il bug. Sorcerer of secrets.
Bon. Je sais pas ce qui se passe. C'est quand même chiant. Alors, on va faire le tour, hein. Ah ouais! Oh l'explosion! Alors on perd de ce côté-là, mais on gagne de ce côté-là. Ça sent pas bon quand même, hein. Qui touche pas grand chose, mais en plus, hein. Descends de ce mur!
Mais descends pas aussi là, s'il vous plaît. Je demande de descendre, elle descend pas. Allez, descends. Allez, mais descends. Mais j'en peux plus, je veux pas. Pourquoi elle veut pas descendre? Ah ça par contre tu sais faire, tu vois, voilà. Ready, as always. Corruption is salvation. Elle se tape pas, elle fait semblant. Je jure qu'elle fait semblant, hein. Elle est en pleine réflexion là, c'est intense, hein. Ah! Enfin! Qu'elle a des sorts très stylés, hein, mais faut le faire. Oh là là, quand elle fait tomber comme ça, là, j'adore, hein. C'est sa barrière qui régène à fond là, mais. Ah ouais, les ghosts rouges là, c'est chaud, hein. Parce que s'ils se mettent à. Pas bouger, du coup, t'arrives pas à aller au corps à corps. On attaquait, on était deux fois moins nombreux, hein. Ah ouais. Au secours. Et alors c'est quoi? Attendez, là c'est en... Ouais, genre eux, ils sont... En fait, quand ils sont... Entre guillemets...
C'est peut-être vivant là les chanteurs, je sais pas trop. Bah non, c'est remarque. Si c'est ça, hein, c'est. Peut-être tout ce qui est un peu. Cultiste ou. Ou mort, mais je sais pas, avec une conscience là, on est dans l'équilibre. Du yin, mais le yang. Se fait tout par le reste, tous ceux vraiment qui sont allés au corps. Qui sont censés aller au corps à corps et tenir quoi. Encore eux, ils s'en foutent. Mais eux s'en foutent pas. Le yang, il faut les mettre avec les chanteurs. Ouais. Pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait autant de dégâts. Et vous voyez encore yin. Dès qu'on est sur quelque chose. Un peu soutien, un peu. Yang, c'est le corps à corps débile. Après, ils sont 80, 7200 contre 160, 12 320. Ouais, donc, je sais pas recruter autre chose. Ça reste comme ça. Secondes 90 à 180, ça a l'air pas mal hein, quand même. Hein. Par contre, c'est un peu cher. Et ça, à la limite, pour focus. Ah, c'est une zone en plus. Oui, c'est une petite zone. Ah ouais, je veux bien essayer. Pas mal. Ça, tu mélanges ça avec des monstres. Je pense qu'on est bien. Oh là là, mais elle a tout, elle a tout, elle a tout. Je pense qu'on pourra lui en mettre pas mal. Hein. Et en ordre, bah la croissance. Le message que tu as eu à la fin de la bataille où c'est écrit Gunter Laren Shield, et bah c'est le Dread King. Ah, le truc de chargement là? Ouais, non, mais il doit y être. Hein. Faut pas l'avoir enlevé, donc à mon avis, on a les Dread King. Très très cool, mais oh celui-là, ouais. On a un ennemi, il est quand même assez grand. Hein. Ça va, pas trop puissant. Et je suis pas sûr de vouloir approcher par ici. Après, ça me met en frontière avec Snitch. Si, je pense qu'il vaut mieux qu'ils se regroupent ici. Agreed. Spreading secret wisdom. I serve only the dragons. Of feet become fleet. Ok.
Merci du coup, Great Player, pour le follow, bienvenue. Je mettrai demain, j'essaierai d'y penser. Vous mettre les mods installés là. Parce qu'à mon avis, avec la nouvelle carte, on va souvent en entendre parler. La demande. Je parle bien de cette zone. Mais qui est jouable là. C'est vrai, il y a Nakai. Ah, ça fait très bizarre hein, de jouer tous ces trucs. Ça va, quand il disperte faible, c'est ok. Il n'y a pas vraiment de territoire où je suis adapté ou pas, apparemment. Attends, ça marche comment, mon truc? La région locale. Elle empêche la régène. J'ai accès à deux rituels. Ouais, non, deux. Mais pour l'instant... Après, si, je pourrais mettre la croissance ici. Hein. Croissance autorité, ça m'évite les problèmes. Pour ça de gratter. Après, il y a le moins 20 avec Katé, mais je connais que... Ouais, non, je suis pas obligé. Il n'y a pas une grande puissance. To touch a dragonborn is blasphemy. Ouais. Là, si je peux transformer les verts en rouge, let's go. Hein. Certes moins nombreux, mais plus efficaces. Hein. Faut mieux compléter ça avec des zombies. Hein. Bon, ça se tente. Si ça passe, il bouge son armée. Et... C'est
quartier chelou qui recrute absolument. My will does not bend. Interference will cost you dearly. Mais qui fait que ça, quoi. C'est un bait, hein. Bon, apparemment on a la même puissance maintenant. Ouais, c'est ce que je vais faire. Il va recruter des petits zombies nuls. On est là pour ça. Soon, I'll be all powerful. Foolish mortal. Bring me flesh to craft. The scent of death is strong. You dare. Petit 4 de défense mêlée, ça ferait pas de mal. Maintenant, attends, j'ai les chanteurs là qui j'aimerais bien booster. J'ai quoi ici? C'est ok. Là, les revenus par bâtiment, la croissance, ça me plairait bien. Maintenant que je connais un petit peu les trucs, les speed, ok. Mais qui c'est qui booste les fantômes là? Donc là, par exemple, aller chercher le moins 60% sur les ghosts, on est bien. Hein, voilà la croissance et après, on va chercher ça. Une petite embuscade qui va faire du bien. Là, 100% de loin, allez, j'y crois. Hein. Bon, la tête de se foutre de notre gueule. Oh le salaud. Et boum. C'est toi qui l'as, il y a un chat noir. Ça c'est pas mal. Un peu plus 50% là. Sent by the secret house. You risk your... Du coup je peux attaquer sa ville et il se retrouve
pas l'attaque éclair. Ok, il y a un petit délire de ressusciter, mais c'est que au niveau des fantômes. Hein. Les zombies. Alors je réfléchis parce que si en fait j'attaque lui, du coup il va reculer par là. Je veux bien être en ville, mais je vais être blessé, non? Ouais, mais de toute façon il faut que j'intervienne maintenant. J'intervienne maintenant avec la ville. Sachant qu'on est d'accord, lui il est tout seul. Ouais. Donc lui ça va être une cible. Ça va être une cible. Alors je vais pas l'attaquer parce que sinon il va reculer et ça va nous mettre dans la sauce. Si j'arrive pas à le tuer, je pourrais essayer de me cacher. On va réessayer un peu là. Alors, bah, je crois que je vais mettre les zombies en bas parce qu'ils n'ont pas d'harmonie. On va mettre les chanteurs avec les fantômes. Comme d'hab, la petite unité sur le côté là. Donc là j'ai un nouveau sort. Ça fait des dégâts, ça enlève du commandement. C'est en AOE. Ça va, des guerriers de jade. Chez paysan. Paysan à longue lance. Metallurgist.
father's sacred servant! All hail the Decay! Praise the Fly Lord! Her father's child marching! Decay, Lord Cultist! Voilà, une fois que ça a touché... The Cult of Pestilence! Grandfather directs me! Disease is the food! Ça t'oblige à aller très très vite au corps à corps. Hein. Ça fait pas des dégâts longtemps, mais... Ça fait pas des gros dégâts. En même temps, on peut s'y attendre, hein. On peut pas... Il n'est pas encore monté. Chaud quand même, hein. Petit seigneur là-bas. I hunger. Behold, metallurgy unleashed. Mighty perdu là. Ouais, puis là on a toute la synergie qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Et absolument tout pour attaquer
Il a l'air de se déplacer pas mal, lui, hein. Ok. Dans une chanteuse. Hop. Bien sûr qu'on l'occupe. Soon I'll be all powerful. It will be a mass grave. Trop bien. J'ai la portée pour l'attaquer. They will serve. Oh, le petit homme de Discord. Oh, lui, il va faire du bien, lui. Oh, il va faire du bien. On a une bonne régène. Mais pas encore assez de morts pour avoir ces trucs-là. La Pale Lady, oh, la Starved Marquis ou la Cursed Diao Sigui. Ça a l'air assez fort. Je crois pas qu'il y ait de bâtiment, non. Ici, croissance ennemie adjacente, autorité, ouais. Commandement dans les armées dans la province, ok. La maison hantée. En fait, j'aime bien le principe. Ça fait un, je sais pas, ça fait un peu enfantin dans... Et non, on est vraiment sur le côté... ouais, je sais pas, ça fait vraiment horreur. Par rapport au conte vampire. Je comprends pourquoi les ennemis ont peur. Ah, puis celui-là, il est pas mal en plus. Hein. Donner de base ça. Ah, peut-être la fin. Enfin, la mort sans repos, puis après la fin. Bah, Jackel, je sais que ça fait longtemps, mais on va peut-être attendre le DLC. Parce que je peux pas faire une campagne où... Là, j'ai pas le temps. Je pourrais pas la terminer la campagne. J'aimerais bien, j'adorerais. Mais je peux pas. J'ai toujours en tête moi mon invasion orque avec double de taille des unités. Juste pour avoir des wags énormes qui fassent ramer le PC. J'avoue que c'est un peu le même effet, hein. Je joue Urzag. Après, je suis pas saoulé au bout de 50 tours, mais je joue Urzag. Et après, je peux être saoulé genre au tour 120, 150. Darkness. Allez, on lui refait le même coup. Plaisant quand même de jouer par ici. Hein. Dites-vous qu'on va sûrement, bah, avec le prochain seigneur d'ailleurs, on va jouer aussi par ici. Hein. Et ouais. Je sais pas lequel je vais jouer. Ça sera, il y a des chances que ce soit Grimgore parce qu'en fait, tu démarres d'en haut et tu rases tout, tu vois, ou tu possèdes tout. Ouais, parce qu'il faut posséder aussi. C'est vrai. Quoi ? Pardon ? Est-ce qu'on est vraiment obligé de la faire? Je pense pas. Hein. Techniquement, ça fait pas ça comme mort, mais c'est pas grave, à la limite, ça recycle. Hein. Non? Je sais pas. Ah, j'avoue, j'hésite. Après, il y a la ville à reprendre. Obligé de la faire. On va la faire très rapidement. Je pense que les fantômes vont chercher la cavalerie, le reste va chercher le corps à corps avec chanteuse, tout ça, là.
On met le héros, on met le home de Discord, et là, il pleure parce que, bah, forcément. Après, c'est vrai qu'en stats, ils sont tellement plus hauts que nous. Les guerriers de Jade, les trucs, ils sont genre à 30, 30, 35, 35 peut-être, en accord, en équilibre, là. Ouais, ouais, je suis à 21-30 maximum. C'est du 8-6, 17-8 et tout. Dès qu'ils ont un guerrier déjà de 25-35. Tu rajoutes le petit truc là, bah là, t'es dans la sauce, toi, t'es dans la sauce. Ah ouais, ouais, t'es pire que dans la sauce. C'est pour ça que c'est dur à prendre. J'adore par contre cette unité, elle me fait rire. Elle avance tout doucement, hein, et... voilà, petite vie. Peut-être mettre l'anti-large quand même. En vrai, s'il fuit, nous, ça nous va, hein. Après avec la crise cardiaque, ça me tue là. Mal, elle, hein. Les explosions qu'elle met à chaque fois là. Je sais pas c'était quoi le son, mais ah, ça meurt vite, hein.
Je sais pas si les fantômes vont faire le taf en termes de kill à crise cardiaque là. Ouais voilà, ça, là ça l'a fait là. Et après il y a une recharge. Attention ça va proc. Quand même je pense que ça fait de bons dégâts dans la poursuite. Pas les meilleurs non plus mais... Au final, ça fait de bons dégâts. Et après, il voulait me tuer beaucoup de choses. Hein. Mais c'est des, c'est beaucoup de kills de poursuite. Hein. Au départ, ça fait pas non plus. Voilà. Ça me permet de reprendre le halt. Le halt de Shiyama. Et on continuera après d'aller sur la gauche. Forcément. Ah, lui ira dans la ville après, hein. Ou hein. I serve only the dragons. Voilà. Permet de remettre la croissance. Ici on attend gentiment d'avoir les 2000 pour ça. Voilà, on va prendre des petits zombies. On va le renforcer. On peut lancer des sorts lui aussi. Je vais peut-être lui mettre la fin. Qu'il soit surtout dur à tuer. Et une fois qu'il a recruté... Normalement, ça, ça devrait s'occuper de ça. Surtout que je peux ressusciter. Et là, le pognon va monter. Rampage. On va chercher l'attaque éclair. Allez, des bisous YouTube. Au prochain épisode où on ira bah, du coup sur la gauche pour sécuriser la province. Ciao ciao.